Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, puisque c'est le thème, la prière sur laquelle nous allons réfléchir, partager. Donc mettons-nous à la présence du Seigneur au début de cette émission pour que son esprit nous illumine, pour que sa présence nous remplisse de sa joie. Nous nous confions à l'intercession maternelle de la Très Sainte Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, c'est une très grande joie de retrouver mon confrère, prêtre et ami. Je vais lui donner la possibilité de se présenter, qui est là aujourd'hui à ce plateau avec moi. Grande joie de vous retrouver, mon frère. Merci beaucoup, Père Yves Maxima. Je suis très heureux de partager avec vous ce plateau de l'émission Jour du Seigneur en ce temps du carême. Et comme nous le rappelle le pape François dans son message de ce carême 2022, qui se base sur les paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens de Galates, au chapitre 6, les versets 9 à 10. Ce temps du carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire. Alors, parler de la prière en ce temps du carême nous renvoie à ces trois piliers, les trois piliers du carême que sont la prière, voilà, cette attitude de confiance, nous y reviendrons, une attitude de foi. Il y a aussi le jeûne qui est une sorte de privation, qui nous renvoie à nos fragilités humaines. Et le troisième pilier est relatif à l'aumône qui n'est rien d'autre qu'un acte de charité. Alors, je suis l'abbé Simon Pierre Thion, professeur de Bible au grand séminaire Liberman de Sébicotane. Je suis des clergés diocésain de Thiès. Donc, je suis heureux de partager avec vous ce plateau et de réfléchir sur la prière. Comment prier? Et le thème même l'indique, et si je ne savais pas prier? Il est tout évident que c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Père. Voilà. C'est l'Esprit qui nous enseigne comment nous devons prier, tout en sachant que dans notre vie de chaque jour, nous aurons toujours besoin d'élever nos cœurs et notre âme vers ce Dieu qui est notre Père. Merci pour ce que vous allez nous partager déjà sur la prière. Comme vous l'avez annoncé déjà, le thème « Et si je ne savais pas prier ?» Bon, certainement, pour beaucoup de nos téléspectateurs, la première demande ou question qui pourrait venir à l'esprit, c'est « Qu'est-ce que c'est que la prière ? » Que pouvons-nous retenir ou comprendre de la prière ? De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que prier ? Alors, je vais d'abord partir de ces trois piliers que j'ai déjà évoqués, que sont le jeûne, l'aumône et la prière, qui est l'objet même de notre réflexion de ce matin, en me focalisant sur ces deux perspectives. Nous avons d'abord notre relation à Dieu. Alors, si on parle du temps du carême, naturellement, il nous faut refaire cette relation. Voilà. L'entretenir même, puisque le carême est un temps propice de renouveau personnel. Alors, cela me renvoie à ma relation personnelle, individuelle, avec Dieu. Mais il y a aussi cette deuxième perspective qui est liée à la première, c'est-à-dire ma relation au prochain. Alors, on peut même dire que, en toute logique, cette relation à Dieu passe nécessairement par la relation avec l'autre. Et cela nous renvoie tout simplement au commandement de l'amour, que Jésus lui-même définit comme suit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Alors, le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, les versets 37 à 39. Alors, ceci revient à dire que toute attitude de prière
nous renvoie à Dieu, mais aussi l'attitude de prière doit se concrétiser dans ma relation à l'autre. Et cela se fonde quoi? Sur quoi? Sur le commandement de l'amour. Et Jésus lui-même a amené ce qu'on pourrait appeler une troisième voie. C'est celle de l'amour des ennemis, cette troisième voie. Voilà ce que Jésus lui-même dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 44 à 45. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Alors l'on pourrait dire tout simplement que la prière quotidienne que nous adressons à Dieu notre Père, comme étant ses véritables enfants, doit nécessairement se refléter dans ma relation avec mon prochain et dans ma vie concrète. C'est vrai, quelqu'un disait souvent, nous disons gloire à Dieu. Et au lieu de dire paix sur terre, il dit pied sur terre. Donc il y a cette double relation. Voilà. Élever mon cœur, mon âme vers Dieu, mais aussi prendre en considération ma vie concrète qui me met en rapport avec le prochain. Alors c'est comme qui dirait tout simplement, avec cette règle de Saint Benoît, ora et labora, c'est-à-dire ma prière doit se faire action. Ce que vous disiez m'a fait penser à ce que nous entendons quelquefois, pour nous, prêtres en tout cas, quand nous rencontrons nos frères et sœurs qui viennent pour le sacrement de la réconciliation, par exemple. Tout à fait. Cette relation avec Dieu, mais qui passe par notre relation humaine avec nos frères et sœurs. Ils vous disent, par exemple, je n'arrive pas à pardonner. Et par conséquent, je me demande, est-ce que ma prière va être entendue par Dieu? Quel conseil vous pourrez donner à nos fidèles qui, quelquefois, rencontrent cette difficulté ou à nous-mêmes? Je le dis en pensant d'abord à moi-même, parce que personnellement aussi, ça m'arrive, quelquefois, d'avoir l'impression que peut-être que ma prière n'est pas entendue, ou bien peut-être que dans ce que j'élève comme prière à Dieu, ce serait quelque part peut-être même un mensonge, parce que je ne suis pas disposé à accorder de tout mon cœur, par exemple, le pardon à mon frère ou à ma sœur. Qu'en pensez-vous, Père? Alors, l'on pourrait dire qu'il y a un lien, voilà, intrinsèque entre la prière et le pardon, ou la réconciliation. Alors, Saint Paul, parlant du mystère de la réconciliation et évoquant, voilà, cet aspect de pardon ou même de haine, il a dit que Jésus, il a fait tomber le mur de la haine, voilà, qui constitue une séparation. Et parlant de mur, le pape François, dans Fratelli Tutti, dit que il y a ce phénomène de la culture de mur. Et le pape dit même, voilà, nous devons faire attention, puisque quand on construit des murs, on risque d'être prisonnier de ce mur que nous avons nous-mêmes construit. Et les évêques, dans leur exhortation de ce carême, qui invite à vivre la fraternité universelle, ont fait cas aussi de ce qu'ils appellent des barrières. Alors ça peut être des barrières raciales, ethniques, sociales, voilà, qui font que, quelque part, voilà, il y a des freins, des obstacles. Alors, il nous faut être des constructeurs de ponts, on peut dire même des facilitateurs, des réconciliateurs, des médiateurs. Avoir la capacité de pouvoir donner, cela n'est pas une évidence. Voilà. Alors, il faudrait maintenant nous mettre en face de nous-mêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'une est épargnée, et prendre conscience quelquefois de nos attitudes de rancune. Voilà. Les évêques ont aussi évoqué ce qu'ils appellent les offenses relatives à la fraternité. Parmi ces offenses, il y a la haine, la jalousie, qui peuvent nous pousser peut-être quelque part à avoir une attitude permanente de rancunier et on n'est plus capable de pardonner. Alors, de ce fait, on n'est pas dans une disposition adéquate pour pouvoir élever mon cœur vers Dieu. Nous le disons dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, qui est la prière par excellence que Jésus a apprise à ses disciples. Alors, le seul conseil, c'est de devoir se mettre en face de soi-même, voilà, une prise de conscience réelle, qui va me porter alors à me considérer comme étant un pardonné. Voilà. Puisque je suis pardonné par Dieu, alors je dois être témoin ou un ferment d'unité, de pardon et de réconciliation. Vous êtes allé vraiment au cœur, hein, je pense, de ce que peut être
notre attitude d'orant, de priant, mais aussi en même temps de disposer, de disposition donc à recevoir et à accorder le pardon pour que notre prière soit vraie. Tout à fait. Devant Dieu et devant nos frères et sœurs. Donc cela demande nécessairement donc une profonde attitude, je crois, de foi. Peut-être que vous pouvez en dire un peu plus, quel lien, disons, entre l'expérience de foi qui nous conduit par conséquent à la prière. Surtout, voilà, vous êtes tous les jours, comme la plupart d'entre nous, chrétiens en tout cas, au contact des Écritures, surtout pour votre expérience aussi académique. Pas seulement d'orant aussi, mais vous dispensez ces enseignements pour aider nos jeunes confrères, voilà, à s'imprégner aussi de cette dimension fondamentale de notre vie chrétienne. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous apporter aussi quelques éclairages ou bien quelques éléments qui peuvent nous aider dans, selon votre regard ou l'expérience que vous avez en vous ancrant dans la Sainte Écriture, ce que peut être la prière pour nous aujourd'hui aussi? La Bible se trouve être aussi un moyen, voilà, qui est un outil pour la prière. Alors, puisqu'elle est la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, comme dit Saint Jean, le Verbe de Dieu fait chair, voilà, le Verbe de Dieu qui est de toute éternité. Alors, à travers cette parole de Dieu, nous pouvons aussi être dans la prière. Alors, si on considère le concept de prière de manière générale, l'on pourrait partir de ce triptyque. La prière, c'est d'abord une louange, voilà. Louer Dieu, et dans le sens de l'émerveillement. Alors, nous pensons ici au psaume 8, par exemple, où le psalmiste s'émerveille devant l'œuvre créatrice. Et au cœur de cette création, il y a l'homme, créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alors, les évêques ont aussi évoqué cet aspect, cette dimension fondamentale de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, parlant de la fraternité adamique qui fait de nous tous des frères et sœurs en humanité. Nous avons aussi le deuxième aspect, la supplication. Voilà. La supplication dans le sens d'une demande. Voilà. Supplier Dieu, voilà, parce que je suis dans une situation impossible, en face de la maladie, en face de la souffrance, et même devant la mort. Voilà. Ceci nous renvoie à notre propre vie quotidienne. Et ici, nous avons l'exemple de l'aveugle de Jéricho, qui a fait sortir un cri du cœur. Voilà. Un cri du cœur, voilà, pour exprimer son angoisse existentielle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La prière comme supplication aussi peut être dans le sens d'une demande, voilà, demande de pardon. On a parlé tout à l'heure de cette capacité de pouvoir pardonner, voilà, une capacité de pouvoir se réconcilier. Et ici, si la prière que nous adressons à Dieu dans le sens d'une supplication est une demande de pardon, nous devons d'abord faire acte d'aveu, voilà, c'est-à-dire reconnaître son péché. Nous pensons au roi David, voilà, qui a avoué sa faute. Et ici, nous avons le psaume 50. « Pitié, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » En troisième aspect, la prière n'est pas que louange, la prière n'est pas que supplication, elle est aussi action de grâce. C'est-à-dire, rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance pour cette vie qu'il m'a donnée, pour sa présence dans ma vie concrète. Et ici, naturellement, la prière d'action de grâce, par excellence, c'est le Magnificat, voilà, de la Vierge Marie, qui est aussi notre modèle dans la prière, dans son silence intérieur. Nous avons aussi le Fils, Jésus. Voilà. Devant l'œuvre de la création, ou considérant sa relation filiale qui le lie au Père, Jésus est allé jusqu'à tressaillir de joie. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Voilà, d'une manière générale, les trois aspects qu'englobent toute véritable prière chrétienne. Alors, qu'est-ce que la prière, finalement? Il nous faut partir de l'évangile de Luc, au chapitre 11, le verset 1, qui dit ceci. « Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand tu lui cessais, qu'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et faisant suite à cette requête d'un de ses disciples, Jésus avait répondu en disant, « Lorsque vous priez, dites,
Père. Toute vraie prière chrétienne doit nécessairement s'insérer dans une dimension de notre filiation divine qui s'acquiert à travers le sacrement du baptême. Le pape a bien dit que le temps du carême, c'est un temps propice de renouveau personnel, mais aussi communautaire. Alors, quand nous disons Père, ici nous avons une dimension d'église-famille. Nous sommes dans ce temps de consultation, qui est un temps préparatoire pour le prochain synode qui porte sur la synodalité. Le fait de marcher ensemble, c'est de prendre conscience aussi de notre appartenance commune comme fils de Dieu. Et cela nous renvoie au concept d'église comme mystère de communion. Car Dieu lui-même, il est communion et communicationnel. J'en profite puisque vous avez évoqué la dimension de famille. Est-ce que vous pourriez dire un aspect, disons, évoquer ou prodiguer un conseil aux familles par rapport à la Naturellement, puisque prière? nous avons comme modèle la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Alors aujourd'hui, surtout en ce temps de carême, il y a cette invite adressée aux familles de savoir prier ensemble. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Le fait de prier ensemble, peut-être que quelquefois c'est à cause de nos activités professionnelles, ou bien même les enfants qui vont à l'école et ainsi de suite, mais je crois savoir qu'on peut trouver un petit espace de temps qui peut réunir la famille. Et Saint Jean-Paul II, parlant de la famille, disait que la famille, c'est une église domestique. Alors, nos familles devraient refléter cette image de l'église que nous sommes. Voilà, Saint Paul dit, il n'y a plus juif ou grec, esclave ou homme libre, l'unité dans la foi, dans le Christ qui s'acquiert par le sacrement du baptême. Alors, ce sont les parents aussi qui devraient éduquer les enfants à cette prière en famille. On va prendre le temps de prier en famille, remettre notre vie en famille, la remettre à Dieu, voilà, dans la prière quotidienne, surtout en ce temps du carême. Peut-être pour revenir aussi sur le lien entre le pater, la prière du Notre Père que vous avez évoquée, toujours avec la première articulation de votre réflexion, c'est-à-dire la foi. Et aussi, pouvez-vous, si je peux dire, insister sur peut-être le rôle en particulier des pères, hein? Notre Père, vous avez dit. Cela peut être une aide, par exemple, pour les fidèles, supposons, de l'archidiocèse de Dakar, surtout, je le dis de cette manière-là, qui concentrent leur attention sur la figure du Père dans la dynamique de la synodalité. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil que l'on refait. Voilà, que pourriez-vous dire ou lancer comme message, dirons, hein, aux pères de famille en particulier? Il faut partir du mystère de la Sainte Trinité, voilà, où nous avons le Père, le Fils et l'Esprit qui vivent dans une parfaite communion, dans une parfaite unité. Alors la figure du Père ici, en parlant du Pater Noster, nous renvoie d'abord à notre filiation divine. Alors, je l'ai déjà évoqué, parlant du Christ, c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, le verset 29, où Paul parle du Christ comme étant l'aîné d'une multitude de frères. Et c'est en cela qu'on parle d'église fraternité, de Jésus-Christ. Alors, cette figure du Père peut être un modèle pour tout père de famille, dans le sens, voilà, de la proximité. Voilà, qui parle de Père parle de responsabilité familiale. Voilà, la proximité d'abord, parce que le Père, il est là comme étant celui qui est le garant, voilà, de la cohésion familiale, celui qui s'occupe, celui qui prend soin, et des enfants et de son épouse. Voilà. C'est ton pilier. Et de la même manière que Dieu notre Père nous a tant aimés jusqu'à nous envoyer son Fils, son propre Fils, son Fils unique, de cette même manière aussi, un père de famille doit montrer de la tendresse, de l'amour, de l'attachement, de l'intérêt vis-à-vis et de sa femme et de ses enfants. Vice-versa aussi, puisqu'on parle ici d'une dimension matrimoniale, l'épouse aussi comme femme, nous avons évoqué l'image de la Vierge Marie, voilà, au sein de la famille, de la Sainte Famille de Nazareth. Une épouse aussi doit faire de son mieux pour que son enfant puisse recevoir une éducation chrétienne de base et solide. Donc la figure du père, nous pouvons dire, c'est la figure par excellence de la tendresse, voilà,
Dieu est un Dieu de tendresse, de miséricorde, qui prend toujours soin de nous. Et tout élan de prière doit s'inscrire dans une dynamique d'élever notre cœur avec foi, ouais, puisque la prière, c'est un acte de foi qui nous relie à ce Dieu qui est Père. Alors, l'invite à l'endroit des pères de famille, nos familles chrétiennes, et tout simplement chercher à éduquer nos enfants dans la foi catholique et leur inculquer déjà cette dimension de l'Église comme étant communion, fraternité. Alors, nous avons évoqué le synode, l'être ensemble. Voilà. Puisque l'enfant est appelé demain à vivre en société. L'éduquer dans la vie chrétienne, mais aussi éduquer l'enfant comme étant un père, comme je disais tout à l'heure, le père qui est le pilier de la famille doit aussi éduquer son enfant pour que demain, lui aussi, il assume la même responsabilité de père. Voilà, de manière ramassée, ce qui est relatif à la figure du père. Et Jésus lui-même, parlant de cette attitude de foi, ou l'attitude de foi que nous devons avoir, dit que tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Donc notre prière est toujours sous-tendue par cette attitude de foi. Et naturellement, la foi sans les œuvres. Nous avons dit tout à l'heure que une prière doit être concrétisée dans ma relation au prochain. Et comme dit Saint Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Merci, mon père, pour toutes vos réponses. J'aime beaucoup l'ancrage très concret et même existentiel, comme dirait notre Saint-Père, de la lecture que vous faites de la prière et de l'impact qu'elle peut avoir dans notre vie de chaque jour et naturellement des transformations que cela nous demande au plus profond de nous-mêmes. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Voilà, et je crois que dans ce que vous avez évoqué comme point de départ, savoir prier, finalement, c'est savoir être comme chrétien à la base. Vous l'avez même dit, ce ne sont pas des recettes magiques. Voilà, la prière est aussi concrète que cela parce qu'elle entre dans le fond de notre vie quotidienne. Elle nous appelle aussi à le manifester par une attitude, une manière d'être, une manière d'entrer en relation avec nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, puisque c'est aussi le jour habituellement, traditionnellement dédié à la figure du Père qui est Saint Joseph, voilà, nous allons partager avec nos frères et sœurs, ils pourront découvrir en consultant, en s'informant. En tout cas, depuis quelques semaines, nous expérimentons, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, la prière de l'Angelus à Saint-Joseph, un peu à l'image de l'Angelus que nous connaissons pour la Vierge Marie. Nous allons le dire ensemble, le partager avec nos frères comme prière. L'ange du Seigneur est apparu à Joseph dans son sommeil. Afin que Marie ne soit pas rejetée. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant engendré en elle est de l'Esprit. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car il sauvera son peuple de ses péchés. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné
pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, glorieux Patriarche Saint Joseph, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions ensemble. Soutenu par le patronage de l'époux de ta très sainte mère, nous te prions, Seigneur, par ta miséricorde, pour que nos cœurs sachent, au-delà de tous les biens terrestres, t'aimer, toi, vrai Dieu, d'un amour parfait, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il garde aussi nos téléspectateurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.